Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Solasta, Crown of the Magister, où on allait faire des quêtes secondaires un petit peu, hein, pour changer. On devait retourner au monastère dans lequel... Non, c'est pas là qu'on devait aller. Trouver la base, ça on sait. Trouver Razan pour l'anéantir, ça on sait. Parler à Gelfen, ok, ouais mais ça, on... ça va nous appeler, ouais, cette famille, voilà, là où on a trouvé la couronne, on a trouvé une amulette là où on a trouvé la couronne, ok, en avant, bien allons-y. Allons-y, allons-y. On rappelle qu'on avait eu un Arnois plus 1 pour notre, notre prêtresse également. Comme pour notre nain guerrier. Donc tout va bien pour nous au niveau des armures et des équipements. On cherchait une épée longue préparée ou une épée longue magique hein, pour notre magicienne. Souvenez-vous. Et si on pouvait avoir un perks qui nous permettrait... de pouvoir utiliser nos sorts sans avoir de main libre, hein, eh bien, on le ferait. Même si ce serait pas très rentable, juste pour faire Gandalf. La Gandalfette. Voilà. Voilà quels sont les objectifs pour notre mage. Qui ne voudrait pas ressembler à Gandalf, d'un côté. Ok, on doit trouver une amulette là-dedans, mais je ne sais pas trop où elle est. Apparemment, quelque part ici. Qui aura certainement un fight. Ou plusieurs fights. D'ailleurs, on voit qu'on est dans le noir. Ça ne me plaît guère. Juste au cas où. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allons-y. Vous savez, moi quand c'est gratuit, j'achète. Trouvons cette petite amulette. Nous dit-on qu'elle serait peut-être par ici. Elle serait ici, c'est ça que t'es en train de me dire le jeu. Ouais. Ouais. Je sais pas trop où elle va être en fait, c'est ça. Bah allons déjà là. Parce que le jeu nous indiquerait qu'elle est quelque part peut-être ici. Ok, où est-ce que ça peut être? Une amulette. Une amulette. Ici? Non. Ça me paraît très étrange. Ça, on l'avait fait, il n'y avait pas d'amulette par là. Ok, trouver une amulette. Non. Alors retournons voir dans la salle de la couronne, peut-être. Ça ne serait peut-être pas impossible. Allons-y. Là, on peut pas descendre, hein. On le sait. Là, on avait fouillé ce... ces coffres déjà, hein, donc normalement on avait tout récupéré ici, donc ça m'étonnerait que l'amulette soit dans un coffre que nous aurions déjà pillé. Ça m'étonnerait quand même. Ça n'aurait pas de sens, je trouve. De cacher quelque chose dans un conteneur, dans un contenant, pardon, que vous avez déjà fouillé. Ouais. D'accord qu'ils sont vides. Hein. Oui, voilà. Ce qu'on a déjà fouillé reste fouillé. Quoi.
Le seul que je pourrais voir, ça devrait être celui-là, mais ça n'aurait pas de sens non plus. Celui-là, on l'a déjà fouillé aussi. Et là-haut, il n'y a rien de nouveau, hein. Ok. Ça n'aurait pas de sens non plus. Voilà, parce qu'on a déjà fouillé, on est d'accord. Dans quoi on peut mettre une amulette? Il n'y en a pas forcément d'indice, hein. On est d'accord. Retrouvez dans les ruines de Macallan. Vous devez retrouver la couronne. Fouillez la bibliothèque de la tour et ramenez l'amulette. On l'a déjà fait aussi. La bibliothèque. En vrai. Ce qui serait plus logique, ce serait qu'il soit par ici, parce que ça, il fallait vol pour l'atteindre. Mais comme ça, on l'avait déjà fait. Et je suppose qu'on n'a pas pu trouver l'amulette avant d'avoir cette quête. Ce serait complètement con. On nous dit bien que c'est par ici. Après, je sais pas si le point c'est pour nous montrer un endroit précis ou nous montrer. Ça, c'était où? Oui, d'accord, c'était là-bas. Donc celui qu'on avait déjà fouillé. Un jet de perception ici? Oh! J'ai vu des runes. Aha! Aha! Oui, j'ai l'amulette. Ça doit certainement être ça. Yeah! Ta-ta-ta-ta! Combat commence, étonnant. Un élémentaire d'air, où est-il? Ils sont nombreux. Il y en a un ici, un là-bas, un là-bas. Ok. Ça doit certainement voler, hein. On est d'accord, hein. Bon, ils sont loin, mais... 15, ça touche. Ok, 15, ça touche. Niveau 4. Voilà. Tiens. Mange-toi ça dans la face. Voilà. Rassemble-toi après des autres. Oh, magicien. Bien. Le nain. Le nain, le nain. Le nain. Boum! Touché. Un petit critique, ça marche très bien. 8, ça passe pas, c'est normal. Ok, toi tu vas revenir ici. En vrai, tu vas même te mettre là et prendre ton arc. Take your bow. Tonche. T'es nul, tonche. 13 saloupes, ça c'est une bonne information. Ok, ça t'es sûr. Ok, il s'attaque au nain, moi ça me va. Deux attaques. Très bien, très bien. Magicienne. La magicienne est en péril, sauvez-la.
Oh là 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 là. Pourquoi tout le monde sur le magicien là? C'est pas du jeu ça. You'll get a nice score. Aïe. Ok, alors. Venir ici. Taper. Bravo. Hop, de niveau 4 par contre, là, direct. Boum, 29 PV en plus. Merci, l'ami. Ok. Alors. Ouais. On voit pas grand chose hein, quand même. Parce qu'en fait, je voudrais bien. Là, je touche les deux normalement, on est d'accord. Hein. Les cases, elles sont touchées, non? C'est assez en kikinant pour toucher les monstres volants. Là avec la lumière qu'il y a en ambiance, je vois pas si je les touche en fait. Ok. Bon bah comme je vois pas si je les touche, je vais pas gaspiller mon sort pour rien. Donc bah je vais faire ça. Voilà. Hop, voilà. Hop, comme ça le conch il aura son attaque sournoise. Bravo. Better luck next time. Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Ah, t'aurais pu le tuer, ton chat. T'abuses un peu. Ok. Bon, celui-là meurt au prochain tour, c'est sûr. Bon, la magicienne va certainement pas survivre à ce combat. Mais tapez un peu sur la prêtresse. La prêtresse, elle vous a rien fait encore. Ouais. Yes. Ok. Comme quoi, bouclier. Hein. Bouclier forever. Oui, attaque. That's battle. Tu l'as touché? Oui. Aïe. Ok. Bon. Taper sur lui. Voilà, 4 PV, bravo. Quel talent. Ouais, on voit pas hein, si on les touche. Là, pour moi, je touche les deux qui sont là, mais ça m'intéresse pas. Là, je touche tout le monde, mais mets-nous avec, donc c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Bon, lui, normalement, meurt ce tour-ci. Donc, on va se concentrer un peu sur un autre. Voilà. Ouais, parce que le nain. Hey, that was mine. Ok. Voilà, mets-toi là, comme ça normalement tu peux peut-être même taper les 3 en vrai sur ceux d'activité. Ce nain. Ce sont sur ceux d'activité qui servent jamais quoi. Ok. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Des gros dégâts. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Des dégâts tellement insane. Enfin, ça c'est le roublard. Hein. Aïe. Aïe. Ça c'est bien, hein. Concentrez-vous sur le guerrier un peu. Oh. Ok, alors, en vrai, ah oui, c'est vrai, ils sont gros, donc tu peux... Oh là là. Ouais, niveau 3 sur toi. Voilà.
Niveau 3 sur lui. Voilà. Le nain, tapez-lui. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Allez. Avance là. Ton chevenet ici. Tu peux taper les deux, oui. Très bien. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir, mon petit onge. C'est bien, c'est bien. Oui. Ça me dérange pas. Aïe. Aïe. Ok. Ok. Bon. Tapez. Mais elle est pas possible. Se désengager, s'il te plaît. Oui, désengager. Là, si je veux te taper, ouais, t'es obligé. Je vais même aller là-bas. Hop là. Voilà. Ah, ok. Tapez-lui. Alors, je suis obligé de m'éloigner, hein, parce qu'on voit bien que la magicienne va mourir sinon. Voilà. Et que lui, s'il s'en va, il va se prendre trois attaques d'opportunité, donc ça va lui faire bien mal. Voilà, donc déjà, il va mourir. Clairement. Yes. Ah. Ah. Ok. Là, on a de l'air. Un petit peu. Ok. Bah, taper. Elle aurait été très utile, hein, la prêtresse, dans ce combat. On la remerciera après, évidemment. Allez. Boum, dans ta face. Voilà, petit 15 de dégâts, on aime bien ça. Voilà. Allez, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. That's the spirit, comme on dit. Allez, et pouf, se tonche. 1800 XP. Ah ouais, c'était pas le fight de tapette, hein. C'est clair. Oh, plein d'objets, très bien. Prenons tout. Par contre, on va aller se reposer. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Où est le repos long? Où est le repos long? Là-bas. Voilà. Hein, moi je dis on va aller se reposer parce qu'on a utilisé plein de sorts et que bah on a perdu plein de PV. Pas facile le fight, pas facile du tout. Mais bon, on s'en est sorti, hein. Après 1800 XP quoi. C'est sûr qu'à 1800 XP on peut pas avoir un fight facile. Ouais, on a la moitié du level 7, très bien. On rappelle qu'on peut aller que jusqu'au level 10 dans le jeu. Hein. Voilà. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Allez. Oui, pour 16h. Ouais, non mais là il faut. Peur de me faire attaquer dans la nuit. On active le repos long, on récupère tous nos PV. Voilà. Pas besoin de préparer les sorts, pas besoin de lier les objets. On peut faire ça. C'est quoi ça? Piège activé, d'accord. Et on peut se rendre directement au site de fouille. Oui. La 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 la. Tellement bien ce voyage rapide. Tellement utile. Ah, dans des cas comme ça, dans des zones comme ça, où... qui ne sont plus que des zones secondaires, c'est très utile. Ok, on devait aller jusque là. Par où on va passer 6 jours. Ah oui. Sachant que ça, c'est une quête secondaire. Donc allons-y. Moi, ça me dérange pas. Alors, on s'en fout un peu, nous, de la bouffe, hein, on rappelle, parce qu'on a création de nourriture. Si on a toujours des sorts de niveau 3. Voilà. Donc on s'en fiche un petit peu de la nourriture. Ah, le nain qui cuisine de la bouffe.
Mais voilà, ça c'est un peu dégueulasse parce que le nain cuisine un bon repas, mais d'un côté il y a notre prêtresse qui va faire de la création de nourriture et d'eau. Tonge qui tente de devenir un homme en faisant des pompes et des flexions. Voilà, pendant que notre magicienne, elle, évidemment, s'exerce mentalement. Ah, Tonche essaye maintenant de devenir magicien. Oh non ! 6 araignées des profondeurs et nous sommes surpris. Surprisationnés. We are in the caca, donc. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est pas grave, boule de feu. La boule de feu. La seule, l'unique boule de feu. Ok. On est dans le noir, bravo, on a la magicienne qui a complètement chié son... Voilà, hop, surpris. Très bien. Ça tire cette saloperie ? Pardon. Je ne pensais pas. Ah, ça aime pas la lumière, très bien. Alors, oui, c'est ça, rassemblez-vous bien là, voilà. Oui. Ah non, pas trop près. Merci. Ok. Il est où ? Alors, le nain, pourquoi tu pourrais pas aller la taper? Tu rentreras en contact avec laquelle? T'es en contact avec elle? C'est ça que t'es en train de me dire, d'accord. Bah tiens, je vais taper celle-là alors. Vu que je suis en contact avec celle-là. Hein, moi je dis. Moi je dis, boum! Voilà! Ah! Ça va être plus compliqué hein, pour vous de nous toucher maintenant que vous êtes dans la lumière, monstre des profondeurs! Bah oui, attaquez! Allez-y les deux! Boum! Dans ta face! Boum! Ah non, loupé! Ah si! On a touché! Très bien! Monstre des profondeurs! Oui, Tonche, vas-y! Ah non! T'es nul, Tonche, sérieusement. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle a fait pi! Elle fait pi! Très bien, elle fait pi! Ok. Alors. Moi, je dis que y en a marre. Et quand y en a marre, y a mal à barre. Voilà, ça déjà, voilà, ça s'appelle nettoyer le terrain, dans le jargon. Ah mince, tu peux aller taper celle-là? Oui, bah va taper celle-là s'il te plaît, Tonche. Merci. Ah bravo, quel talent. On attendait pas moins de toi. Ah, bien. T'as quand même réussi à toucher. Alors le nain va venir t'aider, pourquoi? Parce que comme ça tu auras ton attaque sournoise. Voilà, bah pas eu besoin. Parce que le guerrier nain. Ok. Il y a les deux là-bas. Toi, tu vas peut-être ranger ton bouclier au final. Voilà, range ton bouclier. Et tu vas faire flamme sacrée. Au nom de Dieu. Ça a touché. Ça n'a pas fait de dégâts, mais ça a touché. C'est déjà pas mal. Ok. Tapez! Boum! Ah, loupé. Ok. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle fait bi. Alors, moi je dis que. En fait, si je me mets là, je peux faire un éclair. Donc on va se mettre là et on va faire un éclair comme ça. Oui, on est au contact avec une araignée. C'est pas très grave. Oui, un éclair de niveau 4, évidemment. Au revoir. Keep 'em coming. Celle-là est toujours en vie. Bravo. Voilà. En vrai l'arc et puis... Ah, puis tu ne peux pas tirer, bravo. Ok, en vrai arbalète. Pouf. Voilà, perlin papa.
comme la poudre. Voilà, 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 voilà. Zad the Spirit, comme on dit. Zad the Spirit, les gars. On les a défoncés, les araignées. Voilà. Oui, oui, on va retourner au campement. Ouais, pas de soucis. Ok. L'avant-poste des murmures silencieux. Nous y arrivons enfin. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah là là, ça sent la grotte dégueulasse. Ah là 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 là, la grotte dégueulasse. Alors, donc. Hop là, le nain, tu vas prendre ton autre équipement, merci. La grotte dégueulasse. Vous la connaissez, cette grotte dégueulasse. C'est bien de mettre les deux lumières du même côté. Oh! Qu'est-ce que cela? Oui! Des éléments de craft. Très bien. Oh la 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 la. Non, je me casse. Ah. Vite, Grim. Tu dois foncer. Et arriver près du combat. Ok. Le nain est en position. Le roublard. Avec toute sa roublardise. Maître des bêtes. Bam! Crush him. Reprends tes armes de corps à corps. Vite, prêtresse, de l'autre côté. Si jamais ils essayent de faire un contournement tactique, nous aurons toutes nos troupes en position. Hop. Ready. Alors. Bravo. T'es nul avec ton arc. Attention, ça grimpe. Ok. Téméraire. Très bien. T'es nul. You are toujours nul. Ok, à nous. Hop là, je remonte. Il a téméraire, attention, l'avantage de téméraire, on rappelle, c'est qu'au moins, on le touchera plus facilement. Normalement, il meurt, le berserk, hein, donc on va commencer à taper le maître des bêtes. Voilà, oui, parce que le berserker, c'est bon, ouais, normalement, boum, voilà, un coup. Et boum, deux coups. Voilà. Alors, normalement, je pourrais me barrer, mais il y a l'attaque sournoise. Voilà, pour être sûr. L'attaque sournoise, c'est l'attaque pour voir si on, si on doit être sûr de toucher, de tuer l'ennemi. Hein. Ok, bah regardez, je peux me mettre là. Bonjour. Bonjour, monsieur. T'as l'air con, maintenant, hein, si t'as qu'un arc. Ok, il a des engagements. Ok, bien. What? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ils sont dans le fight aussi, eux. Ouh, ça, c'était pas prévu, ça, madame la marquise. Bon, il faut tuer le maître des bêtes tout de suite, hein. Le nain. Voilà, tu lui en mets une deuxième, s'il te plaît. Merci. Ok. C'était pas prévu. Merci, mon petit onche. Ah, il est au sol. Mince. Crotte de bique. Oh là là, 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 oh là là. Aïe. Ça, ils font pas très très mal.
Ouais. Tonche. Ça va, Tonche? Tonche. Le loup. Boum. Voilà. Tonche est tout seul, hein. Il tient tout seul plusieurs adversaires. Pour un roublard, c'est plutôt pas mal. Ok, la prêtresse vient t'aider, mon petit Tonche. Tapez ça. Oh non! C'est pas le moment de louper, les femmes. Ok. Reste bien là. Oui! Ok. Bonjour! Alors, est-ce que vous connaissez l'éclair? L'éclair de niveau 4. Voilà. Alors là, je touche qui? Je vois pas avec la porte. Je vois pas si je touche lui en fait. Bon, on va tirer comme ça, tant pis pour le chaman, hein. Good kill. Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas, mon ami? Ok. Bah franchement, arbalète. Et tu me tires dans ce con. Et voilà, une flèche dans le dos. Et voilà, une deuxième. Ça t'a fait zizir? J'espère. Ok. Stay with us. Tonche. Tonche qui se fait tabasser par tout le monde. Bon, ça va, ils font pas très mal, heureusement. Oh, mais Tonche commence à prendre cher, là. Tonche commence à prendre cher. Allez. Toi, t'es mort. Toi, tu meurs. Parce que je l'ai décidé. Ah non, tu ne meurs pas. Taper. Voilà, bien. Sort, mot de guérison de niveau 4 sur Tonche. Voilà, vous pouvez recommencer vos attaques si vous voulez. Ok, il y a lui qui arrive. Ouf. Il a l'air d'avoir une grosse hache. Ok. Voilà. H. Et boum. Et boum. Ah non, 4 temps ça passe pas. Pas de déconner non plus. Attends, j'arrive. Et yaha. Et yaha. Voilà. That's the spirit, comme on dit. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait mumu en tout cas. Hop là. Tonche, il aura pris bien cher dans ce fight. Il aura bien mérité sa petite bière en rentrant à la taverne. Si vous pouvez éviter de louper avec ta meilleure arme des deux, ce serait pas mal. Merci. Ok. Tapez. Bravo. Cette prêtresse toujours aussi efficace. Allez. La 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 la. Poignée électrique. Ok, shocked. Bien. Hop là. Donc c'est que je peux m'en aller. Et paf. Et pouf. Et ben non. Échec critique, bravo. Non. Bon, lui on sait toujours pas ce qu'il fait, hein. Téméraire, ça c'est bien. That's the spirit, comme on dit. Témérise-toi. Moi ça me va. Oh, 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 oh. Attention, hein. Moi j'ai. Ah,
Oh oui. Oh. Oh oui. Désolé mon ami, j'étais one-shoté. Ce roublard. Ok. Toi, tu vas foncer jusque là, chaman. Iha. Ok, bon, le chaman, on va en faire notre affaire. On va en faire notre 4 heures. Ok, en vrai, tu vas te déplacer là pour voir le chaman. Oh mince! Oui. Ouf. Quel con! J'avais pas vu. Paf! Oh! Il a pas beaucoup de PV le chaman en vrai. Bon bah voilà. Impressive. Moi je suis un orc. Et ouais mon petit gars, t'es un orc mais t'es nul. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il se soigne, ça c'est bien, vas-y soigne-toi. Pendant ce temps-là, c'est pas la grotte de... On dirait la grotte du tuto. Ruse. Foncer. Jusqu'où tu peux foncer? Jusque là. Bah tu vas foncer jusque là. Et ça, et regardez le pouvoir encore plus du roublard quoi. Le mec il peut foncer sur 8 km en un tour. Et ça c'est tellement bien. Ok, attends, j'arrive. J'arrive. Tiens. Petit coup de manse. T'es nul prêtresse quand même. Hein. Ok. Tiens. Un petit coup de trait de feu. Ouh, le critique de la muerte. Vas-y. Bravo petit, bien. Attends, j'en ai un deuxième. Not too bad. Yes. Ah, oh, cool, du stuff. Oh, cool, la carte au trésor. Retournez au tableau. Ah bah en plus il y a un feu de camp quoi. Genre le jeu il te dit non mais c'est bon, vas-y, tu peux balancer tous les sorts que tu veux, vas-y. Ah oui, un bouclier plus. Je le sais parce qu'il est en métal, donc il est forcément mieux. Puis même si c'est le même, eh ben on le prendra parce que c'est mieux. Parce que c'est en métal. Et que donc c'est métal. C'en a été, hein. Allez, goûtez-moi tout ça. Alors, non, bah non. Mince. Potion identifiée. Ouais. En fait, tu fais tout piller. On va pas s'embêter, on fait tout piller. Voilà. Et après on enlève. On met au sol. Voilà. Comme ça on s'embête pas. Ok, au sol. Au sol, c'est ça. Jeter. 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 Voilà, réorganiser. Alors, ok, les rations au nain, et voilà, tout va mieux. Et voilà. Magicienne, rituel, détection de la magie. Alors on sait hein, qu'on va avoir de la magie sur nous, notamment le bouclier à tout hasard. Magie détectée, étonnant. Hop là, magie détectée, étonnant. Le bouclier, et c'est tout. C'est tout. Et la potion. Ok, on a un bouclier, une potion. Ici, on n'a rien avec un point d'interrogation. En tout cas, je ne vois rien. Ici, je ne vois rien. De toute façon, on n'avait rien ramassé, donc normalement, c'est bon. Ok. Deux petits rituels d'identification. Sur le bouclier pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouclier? Bouclier plus 1. Voilà, parce que pourquoi pas. Hop là. Ok. Potion de géant des nuages, très bien. En vrai,
Toi, t'as un bouclier normal, toi, t'as pas de bouclier plus 1. T'as 22 de CA et toi, t'as 21. En vrai, je devrais faire ça. Parce que comme ça, on a deux gars à 22 de CA. Bien stonk là. Et on est pas mal comme ça. Je pense que c'est pas mal, moi. Deux mecs, vaut mieux deux mecs à 21, à 22 que un mec à 23 et un mec à 21. Enfin, je sais pas. Je suppose. Cimetière d'acuité, pourquoi pas. En gros, pour le revendre. Brûlure blanche. En vrai, tu vas faire ça. Ouais. Hop là. Ok. Et on va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.